Chers compatriotes, Monsieur Kadima et la CENI viennent de franchir les Rubicons, confirmant ainsi qu'ils étaient des missionnaires au service de Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo pour tenter de laver l'opprobre qu'il habite depuis 2018. Honte à eux, car ils n'y sont pas parvenus. Au contraire, ils y ont ajouté une couche supplémentaire. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ce nouveau coup d'État exécuté par la CENI au profit de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La crise de légitimité s'enracine davantage dans notre pays. N'acceptez pas ce nouveau coup d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Il nous faut des nouvelles élections, des élections crédibles, transparentes, apaisées et impartiales. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.